La loi des finances 2018 au centre d'un point de presse animé ce matin par un collectif des structures de la société civile nigérienne, Echo, dans un instant. À suivre également dans ce journal les échos des préparatifs de l'anniversaire du groupe de presse Canal 3 Niger. L'événement n'est pas raté. C'est pour ce samedi, Inch'Allah, au palais du 29 juillet. Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Et nous débutons ce journal par cette brève. Mahamane Lawali, dit léger, membre du bureau politique national du parti Modène Lumana Africa, arrêté depuis le 29 octobre dernier, vient d'être condamné avec 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Autre brève, Issa Kanga, ancien membre du bureau de l'Assemblée nationale, a été interpellé ce matin à la police judiciaire. Pour l'instant, nous ignorons plutôt les raisons de cette interpellation. Affaire donc à suivre. Autre aspect de ce journal, le rejet par la Cour constitutionnelle de la requête du président de l'Assemblée nationale continue à susciter des réactions. À cet effet, suivant la réaction de la députée du PNDS Taria, Madame Mariama. Nous ne pouvons rien dire par rapport à une décision de la Cour constitutionnelle. Nous ne pouvons que prendre acte. Mais étant membre du bureau, je suis sûr d'une chose, le président, l'ex-président de la Haute Cour de justice a démissionné de son poste, non seulement de juge de la Haute Cour de justice, mais aussi président de la Haute Cour de justice. Donc il avait bel et bien démissionné avant même que le décret soit tombé. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème. Nous ne pouvons que nous conformer par rapport à la décision de la Haute Cour de justice qui n'est pas critiquable à notre avis. La procédure a été respectée. Et l'heure à laquelle le président a déposé sa démission, le jour, heure, date, tout a été bien respecté. Et la seule chose qu'on peut ajouter, c'est que il n'a pas écrit qu'il a démissionné de son poste de député, mais on sait que ces deux postes qui ne sont pas qui sont incompatibles. Donc dès que la personne est nommée, automatiquement elle perd son poste de député. Et vraiment, il n'y a aucun problème par rapport à la procédure. Tout a été bien respecté. Point de presse animé ce matin par le collectif de la société civile nigérienne. Et au menu de ce point de presse, c'est le projet de loi des finances 2018 soumis à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Faire la restitution de la réunion tenue le lundi dernier entre eux et la commission des affaires financières de l'Assemblée nationale sur le projet de loi des finances en cours d'examen. Objet de ce point de presse initié par les organisations de la société civile nigérienne, OSC. Nous avons de vive voix et de façon claire signifié aux députés nationaux notre refus d'accepter le choix injuste et scandaleux opéré par le gouvernement. Nous avons expliqué avec beaucoup d'insistance les conséquences néfastes des mesures envisagées pour les ménages les plus modestes notamment. Nous avons également décrié la façon dont les ressources ont été allouées dans le cadre du budget de l'État pour l'exercice 2018. Lors de ces rencontres, les représentants des organisations de la société civile ont partagé avec les parlementaires le constat suivant relativement au volet des dépenses du projet de loi des finances 2018. Primo, comme c'est le cas depuis bientôt une décennie, la part des secteurs sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture et l'élevage, qui sont érigés en priorité par la Constitution du 25 novembre 2010, reste encore très faible. Sachant que la situation économique et financière est particulièrement difficile, alors si cette loi
et approuvée. Cela portera un coup dur sur les conditions de vie des citoyens. Nous saisissons l'occasion de ce point de presse pour rappeler à l'ensemble des citoyens et citoyennes, quel que soit leur bord politique, l'enjeu qui représente pour tous l'adoption d'un tel projet de loi de finances dont le caractère antisocial ne fait point de doute. Si ce projet de budget venait à être adopté en l'état par le Parlement, les contribuables nigériens, en particulier ceux qui profitent déjà moins des prestations de l'État, auront à supporter des charges fiscales lourdes, plus lourdes, sans aucune garantie de voir s'améliorer la gestion des deniers publics. Comme beaucoup de citoyens et citoyennes l'ont déjà compris, le projet soumis par le gouvernement est l'illustration parfaite de sa propension à privilégier et défendre les intérêts étrangers, notamment celles de grosses compagnies multinationales, au détriment de ceux du peuple nigérien. Les organisations de la société civile ont tenu également à démontrer que 55 milliards de francs CFA peuvent être économisés à travers la réduction du budget alloué à certaines institutions et ministères. Cela fait partie d'un des titres de ce journal. Le groupe de presse Canal 3 Niger a animé un point de presse relatif à son anniversaire qui va se tenir en principe ce samedi 18 novembre 2017 au palais du 29G. Alors, à 72 heures de cette fête, les organisateurs estiment que tout est fin prêt. Et c'est un reportage signé Abdelazak Hamidou. Plus que quelques heures pour la fête d'anniversaire des 10 ans du groupe de presse Canal 3. Ce point de presse, le deuxième, sonne comme un rappel. Vu l'engouement que cet événement du 10e anniversaire est en train de donner, nous nous sommes dit que vraiment il ne faudrait pas qu'on badine au niveau de la sécurité. Donc vous allez remarquer le jour J vraiment un niveau de sécurité très élevé. Et il y aura la police nationale, effectivement. Il y aura les sapeurs-pompiers, parce qu'on ne sait jamais. Et il y aura une sécurité privée, il y aura des contrôles qui seront faits avant l'entrée au niveau de la salle avec des détecteurs de métaux. Et grosso modo, je dirais que la sécurité, elle est vraiment assurée à 100%. Le deuxième point sur lequel je vais parler, c'est les tickets qui sont déjà disponibles au niveau de Canal 3. Et le pass de 2000 francs qui vous donne l'accès au gradin et le pass VIP qui est de 5000 francs. Du côté des artistes, ils se disent fin prêt et n'attendent que le jour J. On est enfin prêt à ce qu'il y a Kao Gabongoshi. Donc on se prendra ce samedi 18 de l'autre côté du palais de 29G et pour des grandes surprises. Le 18 c'est important pour nous tous. Et moi personnellement, je fais venir des musiciens de Lomé. Il y a des gens qui m'ont jamais vu jouer en live et cette fois-ci c'est en live. D'habitude je me produis en playback, mais cette fois-ci c'est en live. Donc ça veut dire que c'est un concert à ne pas rater. Alors désormais, je reste à vous dire merci. C'est vous qui l'organisez. Hein. 10 ans, c'est vous les téléspectateurs, c'est vous les auditeurs. Donc ce samedi à 20h, et ce que j'aimerais un peu, je voulais insister hein, sur l'heure. Parce que souvent quand on programme 20h, il y a des gens qui viennent à 22h, à 23h. Vous avez remarqué que au niveau des artistes, nous avons un peu serré. Les artistes sont venus de partout. On n'a pas voulu, hein, je dirais, une pléiade d'artistes. On voudrait faire quelque chose de bien, simple et propre. Et c'est pour cette raison que, si vous avez remarqué, nous avons pris Yota National, Mali Yaro, Amsou Garba, la cantatrice, Al Radik d'ailleurs qui s'excuse parce qu'il est en route pour Niamey, il est à l'intérieur du pays. Il y a Daré, Boubé Ardagalo et Philo, je crois. Il y a 7 artistes. D'autres sont venus. Comédie du Niger, donc ça fait 8. Rendez-vous ainsi pris ce samedi quand il sera 20h du côté du palais du 29 juillet, ex-palais des sports de Niamey. Ouverture ce matin à l'université de Niamey de la première édition de la semaine culturelle et sportive de l'étudiant de la faculté des sciences économiques et gestion placée sous le parrainage
de M. Assoumane Malangissa, ministre de la Renaissance culturelle. Le compte-rendu avec Nafissa Hassan. Rôle de l'étudiant de la FSEG dans la promotion de l'entrepreneuriat au Niger, c'est le thème retenu pour célébrer la première édition de la semaine culturelle et e-sportive de l'étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Niamey. Objectif, encourager l'auto-emploi chez les jeunes étudiants. Et nous sommes des étudiants, mais nous avons toujours le souci de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice pour la construction de ce pays. Donc après moult réflexions, nous avons constaté que notre pays est en train de souffrir. Vu le marasme économique auquel nous faisons face, nous avons jugé nécessaire de motiver notre jeunesse, surtout la jeunesse étudiantine, et du surcroît celle de la faculté des sciences économiques et de gestion, afin de susciter à cette jeunesse l'esprit d'entreprendre. Étant donné que nous sommes des économistes et des gestionnaires, si chacun d'entre nous puisse avoir le sentiment d'entreprendre, d'innover, de créer, je pense que nous pouvons relever les défis de ces pays. Depuis sa création, la faculté des sciences économiques et de gestion fait face à beaucoup de problèmes, surtout académiques. Notre faculté n'a jusqu'à preuve de contraire pas un an d'existence. Et malgré cela, nous sommes confrontés à tout un chapelet de difficultés, souvent d'ordre académique et social. Aujourd'hui, le problème le plus patent qui inquiète les étudiants à la faculté des sciences économiques et de gestion, c'est le programme du recteur académique. Et les organisateurs de cette session nous ont dit qu'ils vont créer toutes les conditions nécessaires pour pouvoir résorber et engloutir les retards académiques. Mais malheureusement, nous avons constaté que ce n'est qu'un discours dans l'optique de pouvoir tremper la vigilance des étudiants que nous sommes. À l'heure où je vous parle, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons l'année académique 2016-2017 n'existe pas au niveau de notre faculté. Ainsi, à travers cette initiative, les étudiants vont être édifiés sur la nécessité de se battre pour son développement personnel et de rompre avec le complexe d'emploi salarié et embrasser l'attitude entrepreneuriale, gage d'un développement durable et performant. Et puis, cette bonne nouvelle, l'opérateur Niger Télécom, bientôt dans la cour des grands en matière de connexion Internet avec la 3G Turbo. L'annonce a été faite cet après-midi au siège de la dite société par son directeur à travers un point de presse résumé ici par Adam Soumana. Cette sortie médiatique du premier responsable de la Nigérienne de télécommunications, entouré de ses plus proches collaborateurs pour la circonstance, se veut annonciatrice d'un grand événement dans les prestations de Niger Télécom. Il s'agit de l'octroi de la licence 3G par l'État à la compagnie nationale de téléphonie Niger Télécom. Cette 3G, elle a deux particularités. La première est d'être disponible dès son ouverture au public dans tous les chefs lieux de région et même dans certains départements comme Burning Oni et Arlitz. La deuxième particularité de la 3G Niger Télécom, c'est qu'elle aura la meilleure qualité partout où elle existe. C'est pourquoi Niger Télécom a décidé de lui donner le nom qui lui convient le plus, la 3G Turbo. En perspective de cette licence, et pour pallier aux soucis récurrents de la qualité de notre Internet en fibre optique et en ADSL, nous venons d'augmenter notre capacité qui est déjà passée de 1,8 gigabits à 3,7 gigabits. Elle passera d'ici la fin de ce mois à 5,6 gigabits. Tenez-vous bien, pour une demande globale, en tout cas à notre disposition au niveau de Niger Télécom, de 3,3 gigabits, nous allons mettre à la disposition du consommateur nigérien 5,6 gigabits. Occasion également pour le directeur général d'annoncer des perspectives heureuses pour mieux servir la clientèle de Niger Télécom à travers différentes prestations. On a lancé aussi la demande pour acquérir la licence 4G. Nous avions acquis une plateforme de call center de dernière génération qui, je ne parle pas du Niger, même dans la sous-région, il n'y en a pas comme cette plateforme. On a aussi acquis une plateforme d'identification et d'activation. Et un point important qui n'est pas moindre, aujourd'hui je vous informe que nous sommes en finalisation des tests pour que Niger Télécom soit en roaming sur 600 localités à travers le monde.
Ainsi, Niger Télécom entend désormais confirmer son leadership national en matière de télécommunications et ne plus rester à la traîne de l'évolution technologique. Avec Niger Télécom, nous vous offrons le meilleur. Point final de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.